remarquable. Cet événement qui va bien sûr permettre à toute la gent féminine de se valoriser, c'est cet événement Aira Glamour Night. Et donc, on va ajouter à ceci que la grande marraine de l'événement, c'est Françoise Poignée, alias Mami Nyanga, que tout le monde connaît. Et ce matin, nous avons des représentantes de l'événement. L'une, c'est bien sûr le grand PDG Berili. Good morning. Good morning. How are you today? I am fine, thank you. D'accord. And I'm fine, thank you too. Et d'un autre côté, nous avons Dorcas, qui est bien sûr sa collaboratrice. Bonjour Dorcas. Bonjour madame. Tu me donnes ton secret pour être si belle comme ça? Je prends trop soin de moi. Oh Je là m'aime là. trop en fait, je m'aime beaucoup. C'est important de le rappeler. Alors, vous êtes sur ce plateau pour nous parler de ce gros événement, Glamour Night. On va commencer avec le PDG. On rappelle que l'événement aura lieu le 19 novembre à l'hôtel Hilton de Yaoundé. Alors, PDG, c'est un gros nom, hein? C'est une grosse casquette. Hein? Voilà. On va vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous a poussé à organiser un tel événement? Okay, to begin with, I want to thank you all for watching, and I want to thank Canal 24 for inviting me over. It's a great privilege, and my name already is Zuhaira Berili. I am a TV host, I am an entrepreneur, and I'm also a humanitarian. What really pushed me into creating this platform was the empathy that I have for the youth. I have a great vision for the young girls, the Cameroonian young girls. That's why I have been, we, it's not me, it's we, because a group of people. We've been struggling since 2017, and finally, with the help of God, we created an NGO, Hara Global Network, une association pour l'autonomisation de la jeune femme, une association to empower young women and to fight for the rights of women to education, to inheritance and health, and all that comes with the well-being of our youth. So I am from the Northwest, and I am a great victim of the crisis. So I started thinking, what can we do for the people? Because we're not just going to sit and say the government will do everything. We are the government. And to me, success is not just you succeeding. It's the impact that you can have in the life of other people. That's why we created this platform, Hara Glamour Night. It's a prestigious event. It's happening. This is the fifth edition because we've been doing it over and over in Villa de Lis and in Ghana, in Nigeria. So we decided to bring together this people of a certain class to come and come together, have fun in a big style. And the main objective of this event is to raise funds so that we can support the young girls that are victims of the crisis presently in Yaoundé. Bon, français n'est pas très bien, mais we try to do something different. Maybe you don't understand. Donc, la jeunesse, les jeunes femmes surtout, ceux qui sont victimes de la crise anglophone présentement à Yaoundé, l'association va les accompagner financièrement, moralement. C'est pour ça que l'événement est in place to raise funds so that we can support any project that they come up with. La marraine de l'événement, comme vous avez dit, while ago is Madame Pauline François, Mami Nyanga. Je tiens à dire merci beaucoup, maman. Really, your help has been so wonderful to us because avec elle, on a the vision of former 500 jeunes femmes de Cameroun dans les métiers, le domaine professionnel. Oui. It could be health, it could be hairdressing, it could be fashion, it could be domains that employ quickly. Permettre aux femmes d'être plus entreprenantes. Exactly. Not to wait for December and call a guy so that he knocks you up. But women have to work. Tu n'as pas besoin d'être directrice pour être riche, because déjà avec n'importe quel métier, it takes just hard work, determination and focus, and you can make it. So the event, Hara Glamour Night, aside from being a charity event, it is also going to be accompanied with fashion. Il y aura également le défilé de mode, Oh là il y là! aura la haute couture, il y aura la musique, il y aura du networking qui est un des objectifs de cet événement, networking, là où vous pouvez venir rencontrer des personnalités pour d'autres portes, pour des opportunités. Donc,
Vraiment, that is a bit a brief summary of the events Sarah Glamour. Est-ce que Berylish peut être la miss de la soirée? Oh, why not? Non, parce que j'ai tellement confiance en moi qu'un gros événement comme ça, je peux pas rater quand même. Talking about miss, exactly, il y aura également élection Miss Glamour. It's only going to be there's a big prize that is not yet mentioned. Why not? You can be the Miss of the events. En dehors de ce que le PDG a dit, qu'est-ce qu'il y a d'autre au programme? Qu'est-ce qu'il y aura comme surprise? Beaucoup de surprises déjà. Il faut avouer que c'est une cérémonie vraiment VIP. Vraiment VIP. À ne pas rater surtout. Ah bon? Oui. Il y aura beaucoup d'opportunités. Et à travers cette cérémonie, je crois que beaucoup de jeunes filles comprendront que dans la vie, on n'a pas besoin d'être directrice quelque part, ministre ou même, disons, PDG comme elle l'est. Mais juste avec un petit truc, on devient pompe, notre vie change. Exactement. Puis l'entrepreneuriat, se battre. Et puis, dans toutes choses, on commence toujours petit, avant de grandir. Ça, c'est un très beau message qu'il faut passer à nos sœurs, hein, parce elles se disent que Rome s'est fait en un jour, tout peut se faire là, comme ça. Alors, elles oublient qu'il faut d'abord avoir une base. Une base, oui, une base, très importante, une base, oui. Et puis, on n'a pas besoin d'être dans un bureau. Bien sûr, on peut se battre. Les filles qui ont la licence, là, et qui disent, bon, je ne peux pas vendre les prunes et du plantain, parce que moi, j'ai un niveau intellectuel bien élevé. Je me dis qu'elles n'ont pas, en fait, compris la réalité de la vie. Oui. C'est pas parce que j'ai les diplômes et tout que je peux pas vendre les oranges au marché. Je peux commencer là et puis créer mon entreprise, pourquoi pas. Ce gros événement, vous allez aussi échanger avec les filles pour leur permettre ou pour les édifier là-dessus. Exactement. On va beaucoup édifier les jeunes filles, beaucoup les aider à avoir confiance en elles-mêmes, à se promouvoir et tout. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire le PDG pour la suite? Avant le 19 décembre, qu'est-ce qui se prépare? Qu'est-ce que vous êtes en train de réaliser pour le moment? Okay, we are at the moment we are negotiating and bringing together top models from Brazil, from France, from Ghana, and Cameroon. So the casting has been going on at the Camarões Bastos. We've done a lot of preparations and the artists too are preparing hard to make sure that the entertainment package is kind of large, that it will keep you going and going and going, that you won't even realize that time is going. Then si vous avez constaté, il y a déjà nos affiches sur les grosses panneaux. Dans la ville de Yaoundé, we have a billboard at the Post Central. We have a billboard at the Longkak. We have a billboard at the Hippodrome. So it's all about communication. Aside from that, it's going well. We are ready. And it's left just for you to be there. Voilà. Pour participer au concours Miss, qu'est-ce qu'il faut déjà au préalable? Parce que je pense que vous avez aussi avec vous quelques idées pour édifier les jeunes filles qui veulent participer au concours Miss Glamour. Okay. If you want to be part of the competition, you can just contact the number 6522119994. I know the number is on the flyer, so you can share the flyer very soon. You just need to believe in yourself. It's not about beauty, because beauty without brains makes no sense. Believe in yourself and believe that you can make it, and we take it from there. Leave the rest to us, and that's how we go. Le grand rendez-vous, c'est le 19 décembre 2020 à l'hôtel Hilton de Yaoundé. Mais avant, pour le casting de Miss Glamour, voilà, il faut rappeler la situation ou alors les numéros. Il faut donner les numéros de téléphone à toutes ces jeunes filles. C'est seulement les filles. Yeah, even the guys. But we are focused more on the filles parce que les hommes peuvent encore se débrouiller, mais pour les filles, non. Les filles sont fragiles. Elles sont fragiles. Si un garçon était là à côté, vraiment, il devait te sortir une belle claque. Hein? Sorry, the guys. I'm sorry, but we are most focused on the girls. Surtout les victimes qui sont à Yaoundé. Si vous avez besoin d'aide ou bien besoin de coaching, you can always get to me. I'm speaking in English because I know you'll get me. If you were any internal displaced person, si vous êtes à Yaoundé, peut-être that you came and you don't have anywhere to go, you can contact me or the NGO and we see what to do to make sure that you have a second chance to education, to
professional and a better life, better future for the youth. That's the objective. That's the motto. Solidarity for the empowerment of young. Les numéros de téléphone, Berili. 65 22 11 994. You can actually get me by 6 52 21 19 94. That's the number you can Vous avez des pages officielles pour l'événement? Exactly. You can the official page for the event is going to be out maybe by tomorrow. Yeah, by tomorrow. But you can contact me on Instagram or Facebook or this number. I'll always be there to reply because I feel your pain. I am with you. You body is so refreshing. Un petit message à l'autre femme, l'autre dame très glamour sur le plateau. Ce matin, j'ai même pas fait bien mon make-up. Hein. Alors que non. Celle-là, elle ne joue pas. Hein. Mais quand cela ne tient, tu es toujours jolie, très jolie. Non, moi, je être comme toi avec les lunettes et tout. Alors, un petit message à toutes les jeunes filles qui ont été victimes des atrocités qui se passent dans nos pays. Ce que je dirais à mes petites sœurs, mes grandes sœurs, c'est qu'elles ne doivent pas perdre espoir. Oui. Que dans la vie, on dit souvent, il faut reculer pour mieux sauter. Oui. Donc, tu peux faire face à ce genre de situation et ça te permet de mieux grandir, mieux, ça te donne la rage de réussir. Oui. Oui. Donc, du coup, je les invite à nous contacter. Oui. S'ils ont vraiment besoin de notre soutien, nous sommes là pour eux. On va les soutenir, moralement comme financièrement. Nous sommes prêts à les soutenir. D'accord. Voilà. Merci à toi, Dorcas, ma collaboratrice. Et on va terminer avec le PDG. OK. The last word is for you all watching to come to this event. It is happening, ça se passe au Hilton Hotel le 19 décembre à partir de 19h. Donc vous pouvez déjà réserver vos tables. You just call the number for reservation in case if the place is too full. Réservez déjà vos tables et venez nombreux le jour J pour vivre une expérience inoubliable. Parce que even after the storm, there is joy. So we're going to cry together, we're going to laugh together as well. We are waiting for you on the 19th of December at Hilton Hotel. You can call the number for reservations. Thank you very much. Merci aussi à toi, mais on ne se sépare pas puisqu'on va danser. On va sortir nos dernières fiches sur le plateau. Il est 11h passé de 45 minutes. Avant de se séparer, on va remercier ici la collaboration de toutes ces personnes qui ont donné un plus pour l'élaboration de l'émission Boulevard du 10h. On remercie Rodrigue Gava. On remercie tous les téléspectateurs qui ont participé à l'émission, Dylan, Brice. Ils sont tellement nombreux. On remercie aussi la collaboration de Olivier Ndormo, du DG, du PDG. Et moi, je ne peux pas me remercier. Alors, à la réalisation, vous nous dites, quels sont... on va danser, hein, parce que là, ça va être du ouf sur le plateau. On commence l'ambiance tout à l'heure. On va prendre quels sont tout à l'heure... Ex-Maléa, mon mariage. J'espère que vous êtes calés. Hein. On commence à sortir les piches une à une en se disant au revoir chers téléspectateurs et de passer une excellente journée, de rester en compagnie des programmes de Canal 24 Télévision. À nous revoir demain pour une autre édition de Boulevard du 10h. Ex-Maléa.